Het is geweten dat in de orthodoxe eredienst veel gezongen wordt, niet alleen door de celebranten, maar ook door het gelovige volk of vandaag de dag vooral door een koor. Het grootste aantal hymnen werd geschreven door de grootste dichters van de luisterrijke Byzantijnse samenleving. Mensen van de kerk, grote theologen en vertegenwoordigers van het monachisme. Kenschetsend voor de oorspronkelijke kerkelijke muziek was de monodie of de eenstemmigheid. Pas enkele eeuwen geleden heeft in een deel van de Slavisch-orthodoxe landen de orthodoxe religieuze muziek polyfonische aanpassing ingevoerd. In deze uitzending maken we kennis met het Grieks-Byzantijnse koor onder leiding van Lycurgos Angelopoulos uit Athene en met het koor van de heilige Johannes van Damascus uit Parijs dat onlangs in Brugge was voor een concert. Nous avons ce soir chanté un petit concert avec quelques membres de ce fameux chœur Saint-Jean Damascène, le chœur comporte beaucoup plus de monde. Il a été créé il y a maintenant 7 ans. Nous avions chanté le mariage de deux de nos amis et à cette occasion nous avions rassemblé un chœur de jeunes et il nous avait semblé bon de continuer cette occasion. Que la chorale Saint-Jean des Massènes a été créée. Le but étant de rassembler des jeunes pour chanter du chant liturgique orthodoxe dans la tradition slavone, en langue française en particulier, pour rendre accessible la tradition du chant liturgique russe dans une langue compréhensible par le peuple. Ik zing graag. Men zegt dat ik een stem heb, dus. En ik ben graag actief in de kerk. En dat koor leek mij redelijk interessant, omdat het juist de orthodoxie wil te kennen geven aan Frankrijk, aan de Fransen, via hun taal. En dat lijkt mij een interessante mogelijkheid ook. Oh.
À la différence du chant byzantin qui est resté toujours monodique, en Russie, il a été permis d'introduire de la polyphonie à partir du 16e-17e siècle, face à l'influence des Polonais en particulier, qui proposaient donc de la musique dans leur église. Et à ce moment-là, on a malheureusement perdu un petit peu de l'authenticité des mélodies anciennes pour pouvoir harmoniser simplement ces mélodies. Toutes ces harmonisations ont été faites au fur et à mesure dans l'histoire, mais arrivé au XXe siècle, certains compositeurs, dont Tchisnakov, dont Kastalski, dont nous avons proposé quelques morceaux ce soir, ont décidé de rechercher les anciennes mélodies, de les conserver intactes et de les harmoniser dans un style purement russe. Et donc il nous importe d'essayer de présenter un petit peu tous les styles et en particulier celui-là. Le plus caractéristique de la musique byzantine, c'est que par rapport à la musique que nous connaissons ici, c'est qu'elle est plus très mélismatique. Tout dépend de la mélodie. Nous avons une mélodie très riche, mais une harmonie très pauvre. Tandis que dans les musiques que nous connaissons ici, c'est l'harmonie très vaste et la mélodie très petite. In de traditie van de kerk merken we een evolutie op. Dit is ook het geval voor wat betreft de liturgische muziek. In de primitieve kerk werd niet exclusief gezongen door een koor, maar was het de gemeenschap van gelovigen die zich verhief met de hymnen van de kerk. Vandaag de dag is dit echter niet meer het geval. Nu zingt het koor in plaats van de gelovige gemeenschap. Normalement, il faut avoir une chorale pour chanter parce que ce sont des hymnes très simples. Ils sont très simples pour que tout le monde puisse participer au chant. Mais quand même, aujourd'hui, avec la spécificité de tous les métiers, si vous voulez, il y a des gens qui n'osent pas facilement arriver là où il faut se mettre le chanteur dans l'église. Je pense qu'il y a un certain nombre de paroisses dans le monde qui demande au peuple de chanter Notre Père, le Credo, pendant la divine liturgie, mais des paroisses où le peuple entier chante la totalité de l'office, je n'en connais qu'une seule, qui est à Paris, ou plutôt ici les Molineaux, la paroisse Saint-Jean le théologien, et il n'y en a pas d'autres. Donc le peuple peut participer, mais comme toujours, en venant dans le cœur avec humilité, et avec respect du travail. Peace, amen, peace, amen.
Als je van jongs af aan in de kerk staat, dan daar raak je al heel snel gewend aan die akkoorden, die opvolging van akkoorden. En dan blijkt dat een stuk minder moeilijk te zijn dan... Ik zou bijvoorbeeld geen Italiaanse barok kunnen zingen zo op de eerste repetitie. Ik ben daar niet aan gewend, hoewel ik daar graag naar luister. Het is niet mijn basiscultuur. Wij vragen nu om bij het Onze Vader, bij de eerste hymne, recht te staan en van allen samen te bidden. Het is een gebed. Het is en blijft altijd een gebed. Dus daar wordt niet te veel met emoties gespeeld. Hoewel de muziek soms aanleiding kan geven tot emotionele reacties.